Là, frère, on prépare un projet X, là. Eh, frère, on va se faire blâler les sous. Eh, on va faire une entrée payante. Eh, 100 balles l'entrée, frère. 100 balles l'entrée, frère, on va vendre de la win. 100 balles aussi la tech. Regarde. Ouais. Wouah! Ça tech! Toi, tu rentres et toi, tu payes. C'est du lard. Ah, c'est combien? C'est du sous du lard. Goume-le, ce fils de taf. Goume-le. Camille. C'est pour la suite du film. Ah, de Star Snake. Ouais, Star Snake. Moi, je suis le capitaine Virginia. C'est qui va jouer Zob? What the fuck? Après, faut pas retourner à la soirée, frère. Ah? D'après ce qu'il me dit en radio, faut pas retourner à la soirée. Oh, bah, de toute façon, c'était pas mon plan. Hein. Pourquoi ça commence à chauffer là-bas? Ouais. Votre nom, c'est quoi, vous? Monsieur Aaron Joyce. Comment? Aaron Joyce. T'as vu les flics qui sont là? Avec Madriga et tout. La récompense. Pour le Hawk là, il est de combien? Directement avec le gouvernement, mais... Eh, fais-moi un prix d'ami, hein, fais pas un prix normal. Non, t'inquiète. Client lambda. T'inquiète. T'as emprunté de l'argent tranquillement, quoi? Ouais, un braquage, quoi. Tu sais, si tu me regardes, frère, on va faire ça pour toi. Voilà tout la home skin. Voilà tout la home skin. Voilà. Fier. Paki. Doucet, c'est pour toi. Ah, tu l'as pas connu toi, Camille Doucet, mais c'était un mec bien. Un mec un peu un mec bête, bien. Mais un mec très bien. Il voulait bien, faire toi. Un truc. Il voulait faire la même chose que toi, tu vois. La Casa des Papel. Ah ouais, sauf qu'il a fait la Casa des Pahlel. Il l'avait appelé comme ça. Ils l'ont pas halalisé. Ah, voilà, il a fait le trottoir des Pahlel. Miskin, voilà, c'est un truc de ouf. Eh, hey, Samy, tu connais le nouveau flic, toi ou pas? Le Aaron. Ouais, t'as son numéro là? Ouais. Non, pas du tout. Qu'est son numéro là parmi vous? Moi, je peux l'avoir tranquille, moi. Vas-y, fais travailler tes contacts là. Non, ouais, t'inquiète. Ah, mais il nous faut maintenant, en fait. Mec. Yazid, ah tu... non, je peux pas l'avoir maintenant, il faudrait que j'aille le voir. Ah ouais, parce que j'ai pas envie de me présenter, de lui dire ouais. Parce que Aaron, j'ai envie de le soulever en vérité, pour avoir des informations par rapport à Dana, si elle a déposé plainte contre quelqu'un, et s'ils ont des informations sur des gangs en ville qui en voudraient, bah, au nôtre quoi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours intéressant d'avoir des informations au pire, sur... Au pire, on soulève Dana directement. Dana, je crois pas qu'elle est en ville ce soir, mais lui, il est en ville, tu vois. Donc moi, dans l'idée, je voulais faire ça solo pour pas... Viens, on va le soulever au pire. Ouais, je voulais faire ça solo pour pas éveiller le soupçon, pas qu'ils disent ouais, c'est un gang, tu vois. Mais j'arrive, le problème, hein. C'est que là, en ce moment, il traîne avec Madriga, en fait. Genre, je l'ai, toute la soirée, je l'ai vu avec Madriga, par contre. Mais tu sais pourquoi? C'est moi qui ai appelé les flics. Je voulais savoir, il était combien ce soir, tu vois. Et en fait, il est venu avec Madriga. C'est pour ça que je suis monté avec eux, pour avoir des informations, etc., tu vois. Mais c'est juste pour savoir, en fait, il y avait combien de flics effectifs, en fait, et réactifs en ville. Donc, apparemment, il y en a que. Oui, c'est un sérieux, c'est ça. Toi, t'es toujours flic, du coup, toi, Samy, ou pas? Non. Ah ouais, t'es toujours équipé? Ouais. Ok. Mais t'as eu des sanctions par rapport à ça? Genre, t'as plus le droit d'être flic, c'est ça? C'est mort? Ouais, là, c'est ça. C'est... Ah ouais, t'as même plus le droit de rentrer dans le comico, je crois, c'est ça? Non. Ah ouais. Dans le comico, tu vois, y'a pas de problème. Moi, les gars, honnêtement, j'ai envie de soulever le Aaron parce que c'est un nouveau, tu vois. J'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il connaît, qu'est-ce qu'il sait sur le groupe de Dick et sur les autres groupes, tu vois. Et surtout, est-ce qu'il y a des plaintes qui ont été posées contre nous ou si quelqu'un, justement, voudrait bah, nous soulever, au moins on aurait des. Moi, je serais plus chaud pour soulever de la chaux parce que de la chaux, il aura beaucoup plus d'informations que lui. Hein. Ouais, mais Delachaux, tu vois. Il est plus ancien. Ouais, tu m'as dit, mais Delachaux, t'as pas eu de nouvelles depuis quelques jours déjà. Donc, je sais pas du tout. Attends, je vais l'appeler. Ouais, je l'ai vu juste hier, Delachaux, mais c'est tout. Attends, je vais l'appeler. Hier, il m'a tasé, c'est tout. Ah, oui, hier, t'as tasé au calme. Ouais. La personne ou pas. Soit il dort, soit il est occupé, je sais pas, tu vois. Mais toujours non, messagerie. Non, il est pas là. Ouais, et ouais. Quelqu'un peut avoir le numéro d'Aaron ou pas alors, du coup? Ouais, t'inquiète, je m'en occupe. J'aimerais bien l'avoir en vérité. Je peux l'avoir aussi, hein. Moi, ça paraît pas. Moi, je fais encore. Ah, ouais, bah, tu sais quoi? Ah, ouais. Bah, tu sais quoi, tu lui dis un bail de délire comme ça, après, s'il y a une intervention ou quoi, que vous m'accompagnez, on sait jamais s'il y a des problèmes ou quoi. Ouais. C'est un délire qui. Bah, du coup, bien, Camille, je te dépose vite fait devant le comico. S'il est là, tu chopes son numéro. Sinon, bah, on essaye de voir un petit peu où est-ce qu'il patrouille en ville, quoi. Mais sinon, ouais, dans l'idée, ouais, moi, je voulais soulever un flic. Au moins ce soir pour avoir des informations sur les gangs. Parce que Madriga, il m'a dit, je lui dis, ouais, Dana, elle sait à peu près qui a fait ça, qui a fait le coup pour le kidnapping. Il m'a dit, bah, oui, hein, mais je vous le dirai pas. Bah, frère, tu veux pas me le dire, bah, on va pas la manière forte, quoi. On va le soulever, ça nous calme. Ouais. T'es sûr d'y aller avec ta voiture? Ah? T'es sûr d'y aller avec ta voiture? Ouais, mais il m'a jamais vu avec la voiture. Le comico. Il m'a jamais vu, mais. Ouais, mais frère. Non, mais je dépose un petit peu loin, ouais. Pas devant les caméras, tu vois. Ouais, voilà, ouais. Et le Fight Club, tout ça, là, c'est fini? Ouais, ça s'est bien tapé en vrai. Ah, vous avez fait de l'argent ou pas? Presque 3000 balles. Sérieux? Ouais. On partage pas, hein. Ah, frère, on a déjà partagé. Frère, moi, j'ai modifié la voiture. Camille, elle a payé 4000$. Combien? 4000. Wouah! Ah bah ouais, hein. Aileron, nouvelle truc là, nouvelle peinture. J'ai rajouté même des mitraillettes, frère, dans le pare-choc. T'as pas fait l'intérieur? J'ai fait un lance-roquette aussi. Quoi? T'as rajouté quoi? Mitraillette et lance-roquette. Ouais, je. Putain. C'est une voiture ou un transformer ce que t'as fait? C'est tout, frère, c'est un tank. Ah ouais. Je voulais m'en rajouter un toit ouvrant, comme ça je sors ma tête, comme ça je crache sur les gens au calme. K2000.
je te jure. J'espère qu'il y a du monde au Comico là. Après, si vous voulez que je vous montre un peu les zones que j'ai repérées. Les zones de quoi? Vas-y, vas-y, Camille, quelqu'un devant le Comico. Il y a un flic, essaye d'avoir son numéro s'il te plaît. On t'attend sur le parking là-bas. Mais t'es en hauteur, on aime beaucoup. Ouais, t'inquiète. Voilà. Ouais, s'il veut pas bouger du Comico, on cible un appel agression, tu vois. Ouais, tranquille. On fait. Ou alors, même pas un appel d'agression, hein. Un petit vol de véhicule, frère, je pense. Sérieux, on va fuir un braquage avec une meuf qu'on a déjà braquée. Frère. Braquée, oui. C'est ma meuf. C'est pas une meuf. C'est ma meuf. C'est ma meuf. Frère, elle m'a déclaré. Bancaire, c'est pas ta meuf. Mais écoute. En fait, c'est pas vraiment ma meuf. Mais en tout cas, je suis son mec, tu vois. Parce qu'elle m'a déclaré ce sentiment tout à l'heure. Frère, elle a payé 4000 balles pour la voiture, frère, imagine. Elle m'a dit, fais attention à Dick, moi, tout à l'heure. Qui a dit ça? Mais elle m'a dit, fais attention à Dick. Camille, elle t'a dit, fais attention à moi? Ouais. Oui, mais genre. Moi, je lui dis, parle-lui en bien de moi. Oui, non, mais genre, fais attention, genre, prends soin de lui. Fais attention à lui, c'est-à-dire, prends soin de lui. Pas fais gaffe. Ouais, voilà, ouais. Ah, bah oui. Ah non, ouais. Eh, limite, mais vous êtes ouf de faire un truc comme ça avec une meuf. Comme ça. Vas-y. Vous avez craqué. Pourquoi? Justement. Mais justement, je donne l'argent et nous on fait le truc. Mais frère, elle nous parle de braquage et tout, donc à un moment donné, si elle veut nous poucave, nous aussi on peut la poucave, tu vois. Dans tout le cas, elle est mouillée dans l'histoire. Elle est armée, hein. Elle a un flingue et tout, frère. Ok, d'accord. Elle peut nous servir, tu vois. Ça rimbra quand même. Ok, d'accord. Un flingue et une hache aussi, je crois. Ouais, du certain. C'est le que donnait la hache. Du coup. Whiskey. Est-ce que tu penses que du coup on pourrait te marier avec elle et pendre le mariage? Parle pas le mariage, toi. Ouais, je quitte à dire mariage, t'es fou, toi, quoi. Je suis son mec. C'est toi, la dernière fois que tu voulais te ramener. Mais tu voulais te marier avec elle. Quoi? Mais non, mais on prenait le doc en filature. Vous comprenez rien, vous? Je prenais le doc en filature. Samy, je te laisse ma caisse. C'était une couverture. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. Ouais. En fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on fait un appel, on fait un appel ambulance. Camille est dans le coup. Elle appelle Aaron. Elle leur dit ouais, c'est bizarre et tout. J'ai pas envie d'y aller toute seule. Il vient avec elle. Ouais. Et puis là, on les braque tous les deux, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mec, je vous arrête là. Pourquoi Samy, il a un comportement bizarre? C'est comment? Pour ça que là, je te parlais. Il y a un comportement trop bizarre en fait. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il faisait que de sortir son téléphone. Il faisait que de répondre et tout. Et il a commencé à sortir son téléphone. Il est où là? Où les flics, ils lui demandaient de se barrer, mais à mon avis, c'est pas au parc. Wesh, Samy! Eh, Samy! Ouais. Viens sur le toit là, faut qu'on parle. Allez. Mais Jim Rip. Ton téléphone il a un souci ou pas? Non, parce qu'il y a un certain Case qui a eu un accident, il m'a dit d'aller le chercher. Qui ça? Case, Chacal. Ok. Maria Wahida. Eh, Samy, qu'est-ce que je voulais dire là? Tu m'as dit quoi par email là? La dernière fois tu m'avais dit comme quoi t'as fait la poucave pour Madriga et je sais pas quoi, tu peux Ouais. Comment ça t'as fait la poucave? En gros, tu vois, pour Nazama, je donnais des fausses infos. Ouais. Tu vois, comme tu vois, il y a quelques jours, je me suis fait attraper, je me suis dit Nazama. Attends, mais comment si ils t'ont attrapé? Tu vois, j'ai pas. Parce que moi j'étais pas là en fait. Comment ils t'ont attrapé et tout? Comment ça s'est passé? En gros. Comment ils ont su que c'était que. En gros, il y a un kidnapping. Ouais. En gros, tu vois, j'envoie des messages à Yes. Et ouais. Deux filles qui me surveillent en fait. D'accord. C'est pas tard, tu vois, mon poucave est juste avant, tu vois, qui m'interroge, j'ai réussi à faire mes messages. Et c'est qui les flics que tu vois? Ils m'ont mis en prison, c'est pas. C'était Fidelio et Loro. Okay. C'est Loro, ce fils de pute, je vais soulever, je vais pas le coup. Mais pourquoi ils t'ont poucave comment? Comment c'est quoi leur preuve? Bon, en gros, j'étais le seul sur mon téléphone et il y a des infos qui ont fuité. Ok, d'accord. Ouais. Et t'as balancé quoi sur nous du coup là? Juste des trucs qu'ils savaient déjà, genre nous traîner ensemble tout simplement après tout ce qu'ils savent. D'accord. Et j'essaie de gratter les infos de mon côté. Ça va. Ok, ouais. Et du coup, bah pour quelle raison ils t'ont renvoyé du Comico là? Ils sont déjà, ils avaient pas de preuves, tu vois. En gros, il y a un mec en croix en bas. Y'a quoi? Y'a un mec en croix en bas. Vas-y, allez voir. Ok. Et du coup, là. En gros, le capitaine il m'a dit là. Ouais, il t'a viré quoi. Ouais. Il t'a viré du. Ouais, en gros, il m'a viré, casse-toi et. Genre, okay. Je pensais que c'était fait derrière le père, mais en gros, on avait pas de preuves, je pouvais casse-toi. Ok, du coup, là, tu vas faire comment pour vivre et tout, là, vu que c'est pas le même salaire, tu vois, tu vas faire comment pour subvenir à tes voisins et tout? J'essaie de trouver un taf, hein. Ah ouais? Écoute, ouais. Ok. Et c'est pour ça qu'ils t'ont remplacé par le Aaron, je sais pas quoi, là? Ah ouais, apparemment. Et le Aaron, là, tu le connais, là, ou pas? Pas du tout. Pas du tout? Franchement, je connais pas du tout. Ouais. Non. C'est qui le mec en cross, là? Si ouais, le mec en cross, il fait que des allers-retours. Je sais pas, il fait que des allers-retours. Ah ouais? Attends, y'a Camille qui est là. Ouais. Allez, viens, on se casse. Ouais, ça pue ici, frère. Vas-y, Camille, monte. Go, Netflix. Vas-y, attends, je te coupe. Vous allez pas croire le numéro que je viens d'avoir. Attends, Netflix plage? À la plage? Ouais, vas-y, plage. Tu veux lequel? Ouais, la plage, ouais. Bah, du coup, t'as dit quoi là? J'ai le numéro de monsieur Aaron. Ouais. Et du coup, je lui ai dit que c'était par rapport à l'hôpital. Si jamais je veux qu'il vienne faire des tours parce qu'il y a vu ce qui s'est passé récemment, je serais plutôt sécurisé d'avoir un contact direct. On peut passer par le central. Ok. Voilà. De l'hôpital, si ça. Voilà. Attends, passe-moi son numéro. Alors, son numéro, c'est le... Attends qu'on arrive à l'appart. Ok. Les gars, moi, le Samy, là, je le sens pas trop. Ah, pareil, frère, ça. C'est pour ça que je vous ai dit. Imagine, c'est une poucave. Imagine, Madriga lui a dit, écoute, c'est bizarre parce que... Venant de Madriga, serait même...
même logique en fait qu'ils fassent ça. En fait, le truc c'est que, écoutez, le truc c'est que, genre, rien que le fait qu'ils aient su, tu vois, plus ou moins, parce que moi il m'avait envoyé un email me disant, t'es par rapport aux armes qu'il avait sorties, ouais. Ça, frère, dans. Allo, vas-y, vas-y. Déposez-le au parking, mec, t'inquiète. Tu sais, dans les lois, normalement, quand un flic en fait passe ses armes de service, c'est mort pour lui, tu vois. Fédéral. Et ouais, c'est fédéral, tu vois. Et là, bizarrement. Là, il s'en est sorti, en fait. Le mec arrive à s'en sortir. Et l'autre, là, son collègue, là, il a quoi, lui? Non, parce qu'il était toujours avec lui. Prends à gauche. Non, à droite, là, c'est bon. Je pensais que je vous disais, c'est pas une bonne idée de faire ça. Mais je sais pas, mais le truc, hésite, toi tu l'as ramené. Donc moi je pensais que tu l'avais déjà parlé, etc. Tu vois. Bah, là j'avais un coup. Normalement, c'était ça. Sauf qu'il commençait à trop sortir son téléphone. Tu vois. Non, c'est trop bizarre. En fait là, bon, Camille, ce qu'on va dire là, entre 4 murs, bon, y a pas 4 murs, y a un peu plus que ça, tu vois. Mais faut que ça reste ici, ok, d'accord. Je peux te faire confiance ou pas? Ok, ça marche. Bah oui, je pense, non. Ok. Le truc, c'est que tu vois, le Samy, tu vois, c'est un flic ripou. Il a réussi à avoir. Attends, je cherchais ça, bougez pas. Hein. J'ai mis ça là, par là, je l'ai mis dans la baignoire. Je mets toujours le pompe sous le jacuzzi. Voilà, c'est bon. Tu vois, il nous a passé ça. Vu que c'est un flic ripou, tu vois. Attends, je vais le ranger au calme. Ah ouais. Et le problème, et le problème quand tu fais ça, tu vois, normalement, les armes en fait sont tracées, sont en fait, tu peux les, il y a des caméras au Comico, donc ils ont su que c'était lui, tu vois, pendant sa prise de service. Et le problème, c'est que dans les lois entre guillemets en ville, tu vois, bah normalement ça c'est la fédérale pour un flic, tu vois. Et lui, il arrive à s'en sortir normal, ouais. Il est en ville, donc soit il a passé un accord avec Madriga en lui disant, bah écoute, je vais jouer la Poucaf pour toi, en gros, je suis ta pute, mais laisse-moi tranquille. Ou soit le mec est tellement futé qu'il a réussi à détourner le système et avant, mais je penche plutôt pour la première. Parce que Madriga, il a l'air beaucoup plus futé. Madriga, il est pas con, tu vois. Donc là, le Samy, surtout que moi, il m'a bombardé d'emails quand j'étais sur le continent. Il m'a dit, ouais, c'est mort pour moi, je vais prendre la fédérale, etc. Débarrasse-toi des armes, blablabla. Et il m'a dit, t'inquiète pas, j'ai joué la Poucave. Il m'a dit, c'est normal. Il m'a dit, j'ai fait la Poucave. Il m'a dit, ouais, j'ai balancé des fausses infos sur vous à Madriga. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Qu'est-ce que j'en sais qu'il a balancé des fausses infos? Bah, j'ai moi pour seule preuve, juste sa parole. Moi, ça me suffit pas, tu vois. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je pense qu'on va passer à une sorte d'interrogatoire un peu plus poussé, tu vois. Et si jamais, bah... Du style comme ça, quoi. Ah, exactement, ouais. Du style bang bang, tu vois. Si les réponses nous plaissent pas, Samy, il va prendre un peu plus que fédéral, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois très bien. Est-ce que toi, t'es prête à te salir les mains par rapport à ça? Bon, il n'y a pas de problème, écoute. Hein. Bah, en même temps, toi, t'es médecin, donc le sang, tout ça, la vue du sang, ça te fait pas trop peur, non? T'as l'habitude? Non, j'ai l'habitude, hein. Ouais. Maintenant, j'ai une équipe en place, donc. Camille, passe-moi le numéro de Aaron, là, s'il te plaît. Ouais, enfin, j'espère qu'il n'y a pas de dernière fois, normalement, non, mais. Ah, tu l'appelleras. Ouais, pareil. Alors, attendez. Mmh. Bah, dites-moi quand vous êtes prêt à noter. Moi, je suis prêt. Ah, moi, je suis prêt. Alors, 213-417-07-17. 213-417-07-17. Ok, donc lui, c'est Aaron. Il t'a dit quoi d'autre, en fait? Parce que ça a duré un petit peu la conversation, là. Bah, en fait, il avait du temps, je sais pas, il était en train de faire pipi ou je sais pas. Et une fois qu'il est venu et tout, j'étais obligé de faire un appel. T'as son numéro? Dire que je voulais parler. Est-ce que lui, il a ton numéro? Ouais, mais je lui ai donné l'info. Ah, tu lui as donné l'info? Pourquoi tu lui as donné l'info? Comme ça, si je lui envoie un message. Ah, le truc, c'est que je voulais que tu l'appelles. Je voulais que tu l'appelles pour voir si. Tu vois, mais là, tu peux pas. Parce que. Ah, ou je l'appelle et je dis que je me suis trompé, au pire. Ouais, vas-y, appelle, dis-lui que tu t'es trompé d'un chiffre ou je sais pas comment t'as fait, tu vois, le truc. Pour confirmer que c'est bien lui, tu vois. Ce serait con de l'appeler et que ce soit pas lui. Ah oui. Yazid, le Samy, là, il est où, là? Je sais pas du tout. Allô? Oui, ah non, c'était pour savoir si je m'étais pas planté dans les numéros. Bon, bah, apparemment, c'est bon, hein. J'avais peur que j'avais enregistré de mauvais numéros, mais bon, apparemment, tout va bien. Parfait. Bon, bah, ouais. Merci, vous aussi. Au revoir. C'est le bon. Yazid, t'as un chewing-gum, frère. Saute. Mm-hmm. Ok, c'est le bon. Bah, nickel. Bah, ça y est. Wesh, m'en mets Denis, calme-toi, wesh. C'est pas une télé, ça. Ce qu'on va faire là, je pense qu'on va. Essaye d'appeler Samy et dis de nous attendre à un endroit fixe. Et on vient, on se soulève. Mais là, on aura besoin de. T'es sérieux là? Ouais, on a besoin de deux véhicules là. On a qu'un seul véhicule. Il est où là? On serait trop cramé, t'es sérieux là? Mais frère, t'inquiète pas, cramé ou pas, frère. Oui, J'avais une meilleure idée. Vas-y. Pour savoir s'il est indique ou quoi. Mm-hmm. On lui dit qu'on va aller faire un truc de ouf. On va prendre via la 8 en plusieurs véhicules et qu'on va aller à un point pour lui ramener à quelqu'un. Mm-hmm. Quand on va lui dire ça.
avec El Chapo, tu dis El Chapo directement, parce que je sais que les flics ils cherchent El Chapo. Non, pas forcément. Moi ils m'ont proposé un délire comme ça. Mais si jamais les flics ils viennent, on sait que c'est non, lui. Non, moi j'ai un meilleur. Forcément. Non, j'ai un meilleur plan, On soulève. Non, écoute. Ça va lui faire quoi? On soulève Aaron, on le ramène dans une planque et on dit à Sammy de lui mettre une balle dans la tête. Pour voir si c'est un addict ou pas. On ramène qui? Bah, le Aaron, là, le nouveau flic là. Le flic il va mourir pour rien. Non, il va pas mourir, il lui met une balle. Parce qu'il va sauver. Non, mais il va sauver sa peau dans tous les cas. Parce qu'il sait qu'on ne saura pas que c'est lui en fait. Les flics vont pas savoir que c'est lui. Comment ça, ils vont pas savoir que c'est lui? Mais si, il sera visage découvert. Mais frère, vu qu'il va mettre la balle dans la tête du flic. Mais justement, mais si le flic le reconnaît, il y aura forcément un discours qui va naître entre les deux, tu vois. Au pire, on soulève le flic directement et on lui demande des renseignements. Mais ouais, mais le problème c'est que ça fait qu'une semaine qu'il est là, le flic. Et l'histoire de Sammy, ça remonte à beaucoup plus, tu vois. Donc il aura pas toutes les infos. Ça, je dis, en fait, le truc idéal là serait de soulever De Lachaud, il a trop d'infos sur tout en fait. De Lachaud, je l'ai appelé tout à l'heure, il était sur messagerie, donc j'ai pas de nouvelles de lui, tu vois. Ouais, c'est ça le problème. Ce soir, on pourra pas le soulever, De Lachaud. Sinon, on met un coup de pression classique à Samy, sans flingue, ouais, rien, tu vois. Comme on a fait, comme Gécu là. Vas-y, je vais l'attraper. Par contre, il nous fera deux véhicules là, parce qu'on a pas assez de place dans celui-là. On va aller au parking central. Vas-y, on va au parking, t'inquiète pas. Il est où le Samy là? Est-ce que tu peux voir où est-ce qu'il est, s'il te plaît? Moi, je pense vraiment que mon idée allait mieux. Franchement. Non, elle est pétée. Il appellera jamais. Au classique. Il appellera jamais. On lui ramène avec nous. On lui dit ramène ce véhicule, s'il te plaît. Il est plein de weed. On lui dit on le ramène à un point. On se barre, on surveille. S'il y a les filles qui viennent vérifier le véhicule. Non, il appellera jamais. Non, il appellera jamais. Qu'est-ce qu'on a aussi? Parce qu'il a peur. Ça va faire quoi? Il nous craint, tu vois. Il va tout nier. Il va tout nier. À mon avis, c'est ça qui va se passer. Attends. Toi, ton plan. C'est genre, on remplit un véhicule du weed, on lui dit d'aller là-bas, et après t'as... Non, un faux véhicule, frère, on s'en fout, tu vois, ouais. C'est juste pour voir si en fait c'est un ripou, s'il ramène les flics ou pas en fait. Mais il ramènera pas les flics. T'as pris les flics? Mais les flics en fait ils vont pas venir directement en fait. Ils vont voir d'abord si la transaction ou pas. Ils vont se mettre en position, ils vont voir si la transaction ou pas déjà. Ouais, je suis pas convaincu. Ils viendront pas. Qui prend son véhicule là? Vas-y, je le prends au pire. Vas-y, prends. Voyez où la Samy là? Si on prend ce véhicule, s'il te plaît, ramène-le à un point. Je lui dis ça, genre. Je lui dis, il a plein de weed. Je verrouille le coffre. Comme ça, il peut pas regarder du dos. Et il lui ramène et on verra après. À mon avis, c'est une meilleure idée. Je sais pas, il est où le Samy là? Le Samy, je suis là. Vas-y, appelle là. Du coup, on fait quoi? On fait le plan comme je t'ai dit. Viens, on le capte déjà. On voit s'il est là. Après, on va voir. Vas-y. Et Samy? Si je suis en train de l'appeler, il a même pas répondu. J'ai déjà dit à Samy. Allô? Ouais, Samy, viens au parking gauche, s'il te plaît. Vas-y, viens au parking gauche, s'il te plaît. Ok, merci. D'accord. Gibril. Ouais. Va chercher ta Mireille là, s'il te plaît. Ok. Va chercher ta Mireille avec moi. Mais leur plan, il est pété, tu vois, genre. Mon dire. Tu feras rien, tu vois. À mon avis, c'est mieux, Dick. Pour le coup, je crois que c'est. Mais ouais. Il y a putain, mais. Oute. On y arrive. Franchement, leur plan là, je le trouve un peu pété, tu vois. Genre, il appellera pas, tu vois. Il appellera pas parce qu'il aura trop peur, tu vois. C'est, il peut très bien être un indique et justement mettre en confiance la personne et pas appeler les flics, tu vois. Donc s'il appelle pas, ça veut pas dire qu'il est pas indique, ça veut juste dire qu'il a pas voulu appeler les flics, tout simplement, tu vois. Genre, ça prouve absolument rien, tu vois. Je sais pas. Bah oui, parce que c'est pas. Je sais pas. On pensait qu'à coup sûr, il va le. Enfin, c'est bizarre. Tandis que s'il joue sa vie, là, c'est un peu plus sûr, on va dire. Moi j'ai un. Why? Ah, mais il sait pas conduire lui aussi. Putain, t'as dégommé le truc. Ah, mais le problème, ça fait c'est quoi? Ah, les gars, j'ai une meilleure idée. C'est qu'en fait, ça... après, on va être grillé avec les flics en fait. J'ai une meilleure idée. Je vais aller voir le Aaron, ouais. Tu vois. Et je vais voir si Samy lui a passé des informations auprès du comité. Tu sais, il avait soi-disant balancé des fausses infos sur nous à Madriga. Bah, moi, je vais aller voir le Aaron. Ouais. Et je vais voir qu'est-ce qu'il a sur entre guillemets sur mon groupe. Et voir si ça coïncide, si ça concorde avec ce que m'a raconté Samy. Si jamais Samy a balancé un truc, on le chope, on le soulève, tu vois. Ok, mais maintenant, radio. J'ai pas compris. En gros, il va aller voir Aaron. Et je vais voir si Samy va parler, a balancé en fait, des infos, tu vois. Par rapport à la prise d'otage, je sais pas quoi. Au fait qu'il a sorti des armes. Je vais voir qu'est-ce qu'il a raconté, tu vois. Aaron va me dire la vérité. De toute façon, parce que bon, c'est un flic, tu vois. Et si jamais bah, sa version des faits diffère de ce que m'a raconté Samy, on le soulève. Ça veut dire qu'il nous a menti, tu vois. Et c'est une poucave. T'as compris, Yazid, ou bien de faux? Réfléchis. Trouve une fenêtre. Attends. Ok, d'accord. Va aller voir Aaron. Tu vas le voir, ok? Ouais. Camille va arriver là. Camille, monte étage du dessus, s'il te plaît. Tu montes étage du dessus. Tu nous dis. Mais non, attends. On va faire comme si Gibril et moi on était que deux. Et du coup on avait besoin de l'aide de Samy pour amener le véhicule. On lui dit qu'il y a plein de têtes de weed dedans, ok? Ça sert à rien ça en fait, autant dire aux flics qu'on fait de la weed. Écoute, et qu'on cherche des infos sur eux. Un comportement chelou, il sort son téléphone, tu nous le dis en radio, Dick, d'accord? Vas-y. Donc, En fait, Camille, va avec Dick. Ah, je vois ce que tu veux faire. Avec une voiture. Accompagne-le avec une voiture, s'il te plaît, vite. Parti, il va arriver. Prenez pas la voiture, non, on en a besoin de trois.
une MZN3 pour ce Ah ouais, mais je suis sur comment pour me déplacer, mon frère. On a pas. Vas-y, on je a vous pas dis plus. Je vous dis plus, t'inquiète pas. On t'y derrière. J'ai pas compris son plan, il est farfelu son plan. Moi j'ai pris là où il y a pas de portier, hein. T'inquiète pas, là. Comme ça, si jamais il sort son téléphone ou il y a un truc bizarre qui se passe, tu me le dis en radio. Vas-y, dis ça. Comme ça, double filature, double indication. Il y a tout à l'heure, on y est radio. T'as un véhicule ou pas, toi, Camille? Bah, j'ai qu'une moto, moi. Ah, moi aussi. C'est les fourgons. Moi aussi, j'ai une moto. Petite Sanchez là, auquel? C'est qui le mec là? On va aller voir si Aaron il est au Comico là. Bah, s'il a pas bougé depuis deux minutes, il doit y être. Par contre, je change pas de vêtements, non? Donc, il m'a vu en rose. Ouais, t'inquiète. Je vais me garer ici là. Il va pas te voir. Ok. Regarde ma moto, j'arrive. Hein. Ça marche? Logique? Ouais. Apparemment, Rilis l'a débaillé pour nous là. Débaillé pour nous, c'est-à-dire? Je sais pas. Il m'a dit, mais là, on parlait de Anastasia, tu vois, et après, il m'a dit, je t'expliquerai, j'ai débaillé pour vous. Ok. Donc, je sais pas exactement ce que c'était, mais on ira le voir. Vas-y, ça marche. Il y a un mec devant le Comico là, Sanchez rouge, t-shirt blanc, le même gars qui est passé vite fait tout à l'heure au niveau du garage de Riles là. J'ai l'impression qu'il me suit. Ah ouais? Parce que lui c'est le mec qui tournait aussi en véhicule hein. C'est lui qui tournait encore proche devant nous tout à l'heure quand t'es sur le parking à côté du Comico. Ouais, là il est devant le Comico encore, tu vois. Tu veux que je vienne voir? Putain, j'ai pas de voiture. Je l'aurais percuté, tu vois. Si tu veux, j'y vais, je le percute hein. J'ai ton véhicule là. Vas-y, viens. Il est devant le Comico là. Je vais, je le percute. Ouais. Sanchez rouge, t-shirt blanc. Mais qu'est-ce qui tu fais quoi le Walid? Djibril. Y'a un mec qui se dit que depuis tout à l'heure là, je vais le percuter. Ah, mais du coup. Il passe, il repasse devant le Comico, il arrête pas, tu vois. Genre grillé à fond, tu vois. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas nous accompagner pour déposer les véhicules. Je vais verrouiller les coffres. Je le braque, je le monte dans mon véhicule. Tu me suis avec tes voitures. Ouais. Braque-le. Hein. Y'a une voiture de flic qui va sortir. Ouais, y'a une voiture de flic, je le vois là. Ah bah c'est Aaron, je crois. Je l'ai vu passer le mec, il est sur son téléphone. Hein. Ok. Attends, je vais parler au flic. T'inquiète. Bonjour, monsieur. Monsieur. Il y a ce véhicule là qui arrête pas de faire des allers-retours devant le Comico. Ouais. Bah il a un peu suspect, quoi. C'est qui ça? Bah non, justement, je sais pas qui c'est. J'ai l'impression qu'il me suit. Bonsoir, monsieur. Vous voulez bien descendre du véhicule, s'il vous plaît? Moi je le vois là-bas. Hein. Monsieur? Eh ben. Ah, d'accord. Vous pouvez vérifier à qui appartient ce véhicule? Avec la plaque? Oh, monsieur Marocchino. C'est monsieur Marocchino. Ok, parce que depuis tout à l'heure, il me suit et tout. Insupportable. Vous savez pas pourquoi? Bah non, depuis le parking central quoi. Monsieur Aaron, on pourrait s'entretenir juste vous et moi s'il vous plaît? Sûr, venez. Des nouvelles concernant Madriga et la récompense sur Monsieur Hawk ou pas? Oh, pas plus de précision que tout à l'heure. Oh ouais, parce qu'il m'a dit qu'il allait me tenir au courant mais bon. Moi je pense qu'il le fera. Ouais, il y a du monde. Sur une base de 5 chiffres. Y'a du monde en cellule ou quoi? Ça bouge, un peu. Je donnerai pas plus de précision mais ça bouge un peu. Allez-y, dites-moi. Oh, la porte dans la gueule quoi. Désolé, je manque de manière. Il y a pas de soucis. C'est par rapport à votre ex-collègue, on va dire, un certain Sami Shakiri, il me semble, quelque chose comme ça. Ouais, monsieur Shakiri. Est-ce que vous le connaissez bien ou pas? Moi, pas personnellement, mais les services, oui, pourquoi? Ok. Il a quitté les services de police ou pas? Ah, je dis peut-être des bêtises, mais il me semble qu'il a été viré. Non, il a été viré, ouais. Est-ce que vous connaissez le motif ou pas? Parce qu'en fait, si je vous raconte ça, c'est parce qu'il est venu s'approcher, entre guillemets, de moi, et... je sais pas, je le sens pas, en fait. Il me dit qu'il est plus flic, qu'il veut travailler... J'ai pas trop compris qu'il a des compétences assez spéciales, enfin... Bref, moi, son... Ah bon? Son histoire... Ouais, c'est un ninja, quoi. Ouais, c'est un ninja niveau plus diamant, quoi. Ah ouais, et, impeccable. Et il s'est fait virer des flics tellement il était bon. C'est ça le truc. Et j'aimerais savoir en fait pour quelle raison en fait particulière il a été viré. Parce que lui il est resté assez vague là-dessus. Il m'a juste dit ouais, Madriga il m'aime pas. Mais c'est pas. Je vais me renseigner si vous voulez, on peut s'échanger nos numéros de téléphone et puis je verrai ce que je peux vous dire. Ouais, je veux bien. Ouais. Du coup, je vais vous donner le mien. Donc c'est 213-670-0144. 213-670-0144. Je vais noter le vôtre. Ok, tout est bon. Le mien, c'est le 213-417-07-17. 213-417-07-17. C'est Aaron, c'est ça? Aaron Joyce, exact. D'accord, ouais. Il m'a parlé, ça va me revenir maintenant, d'une sorte de kidnapping qui avait lieu, je crois, la semaine dernière ou il y a quelques jours. Il m'a dit qu'il aurait joué, double jeu avec les ravisseurs, je sais pas quoi. Il m'a parlé d'un certain Leroux, il voudrait soulever un certain Leroux. Je sais pas si ça vous parle, vous. Ah, non, pas spécialement. Ok, parce qu'il m'a parlé, il m'a dit, je sais pas, il m'en poucave, je l'aime pas, je vais le soulever. J'ai joué double jeu avec Madriga, je lui ai donné des fausses informations, je sais pas quoi. Est-ce que vous pensez, vous... Ah ouais. Ouais. Donc, je sais pas.
genre j'ai l'impression que c'est une poucave et un ex ou encore un flic ripou. Et j'aimerais vraiment avoir des informations par rapport à ça. Si vous en avez plus, ça m'intéresserait vraiment en fait. Alors genre... là, pas de soucis, vous inquiétez pas, je vais me renseigner. Ok, ouais. Parce vous que sur moi. J'ai l'impression que cette histoire de kidnapping, c'est ce qui l'a fait couler un peu beaucoup, on va dire quoi. Et le fait qu'il se rapproche de moi. Je vous dis la vérité, j'ai l'impression que genre y a des rumeurs qui tournent autour de lui, comme quoi il aurait sorti en fait des armes de service du Comico et il aurait été pris en flag par les caméras de surveillance du commissariat. Et suite à ça, il risquait. Vous connaissez un petit peu les lois de cette ville, c'est la fédérale. Hein. Me gêne en fait dans cette histoire, c'est que il m'avait envoyé des mails. Son camarade en a payé le prix fort. Hein. Mais c'est ça le problème. Et pourquoi ? Donc son camarade, lui, il a pris la fédérale. On est d'accord ? Ouais. Et lui, alors qu'il avait été accusé d'avoir sorti des armes, il a pas pris la fédérale. Et il me dit qu'il a fait. Je sais pas, ça me paraît bizarre. Ouais. Bah ouais, j'ai l'impression que genre il a comme fait un accord ou une sorte de poucaverie quoi entre ce qu'il me dit et ce qui est vrai. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de gouffre et j'aime pas trop ça en fait. Et surtout, ce qui me gêne moi, c'est que c'est le frère d'un ami à moi et c'est pour ça en fait qu'il tourne autour de moi. Ah bon, c'est le frère de qui? De Ben. Vous savez celui avec les lunettes qu'on appelle Robocop. Il était à la soirée tout à l'heure. Je sais pas si vous l'avez vu, il avait un Marcel rose. Ah lui, ok, d'accord. Ouais, ouais c'est son frère. Okay, donc c'est son frère, d'accord. Après, je sais pas si c'est son frère de sang, parce que bon, il y a frère et frère, vous connaissez. Ah frère, ça va, frère, ça va. Donc moi, juste entendu frère. Tout ce qu'il a raconté, ça m'étonnerait même pas. Mais le Samy, ouais, un peu bizarre quand même. Hein. Le fait d'échapper à une fédérale et puis de se retrouver en liberté, entre guillemets, en ville... Bizarre, hein. C'est un peu bizarre. Monsieur Shakiri, c'est ça? Ouais, il me semble, son nom c'est Shakiri, ouais. Ouais, c'est Shakiri, ouais. Ok, ça marche, c'est bien noté. Bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Sinon, c'est tranquille aujourd'hui ou quoi? Ouais, écoutez, pour le moment, ça va. Ouais. Franchement, je vais pas me plaindre. Tant mieux. Bon, ça se passe? Ouais, comme ça va. De la chaud, des nouvelles ou pas? Ça fait quelques jours, là, il répond plus à mes messages, ni rien. Ah bah, pourtant, il était là hier. Ah ouais? Ah merde, on s'est raté alors. Ouais, c'est fort possible. Hein. Bon, vous inquiétez pas, il sera là demain. Oh bah, ça marche. Bon, bah, on se dit. Après, au plaisir. On se dit à demain alors. Ça marche. Lui, il me saoule à rester devant le Comico. Ouais, Camille, ça va ou quoi? Désolé. Ah bah, dis-donc. Ouais, désolé. Y a un mec qui arrête pas de tourner en moto là. En moto? Ouais, pas tant pis tout à l'heure. Ouais, hein. Apparemment c'est un certain maroquino, je sais pas quoi. On va le soulever. Ça marche. Peut-être que je me change, donc j'habite tout en noir, j'ai une tenue prête. T'inquiète. T'as vu le flic alors du coup? Ouais. Par contre, moi j'ai pas accès à votre radio en fait. Hein. Jamais. Ouais, t'inquiète. Pour l'instant, je suis pas en radio. Moi. Ouais, les mecs, des nouvelles? Ouais, attends. Il est où, Samy? Et le mec que vous cherchez, c'était un mec en cross habillé en blanc. Ouais, maroquino il s'appelle, j'ai eu son numéro de plaque et tout, le flic il l'a relevé. Maroquino il s'appelle. Et du coup là on fait quoi dessus? Je sais pas, moi pour l'instant il était toujours en train de traîner devant le Comico, tu vois, en vérité. Je voulais le soulever mais là il me suit plus trop, tu vois. Mais il est là, oui, il est juste. Mais vous êtes où vous? Mais je suis juste derrière toi. Comment ça, il est juste derrière moi? Ah non, c'est derrière Djibril, ok, que j'y suis. Ok. Y'a personne. Mais Djibril, on fait quoi, on le chope le mec? Ouais, on va le choper, ouais. Attends, ma voiture elle est où? Okay. Ah, vas-y, passe-la-moi, c'était oui. J'aime pas quand je suis en moto. Attends, je vais aller Camille, elle va changer. On va aller changer, Camille. Enfin, à toi surtout. Ouais, lui, il est en train de me suivre. Comment la rose en plus? Sinon, j'ai parlé avec Aaron là, je vais parler du Samy là. Et lui-même ouais. Aussi, lui aussi, il trouve ça bizarre. Faut le choper le mec là, il fait trop passer devant le Comico. Oh, Dick, tu veux qu'on le chope ou pas le mec? Oui, là, oui, je oui, peux oui, on oui, choper oui. Là. Oui, attends, vous êtes où là? On est devant le Comico okay, là. Ok, attendez. Camille, elle va juste se changer et puis on arrive. Je suis avec ça. Ok, t'inquiète, on va le soulever. Juste on change et puis on arrive. Vas-y Camille, je t'attends. Camille, on en a pour 2 minutes. Ouais, donc je disais, j'ai parlé à Aaron concernant Samy. Il va enquêter là-dessus. Il m'a dit qu'il va se renseigner par rapport à ce qu'il a fait, pourquoi il a été viré, et quels ont été les motifs, tu vois. Et puis voilà quoi. Donc on a changé le numéro de téléphone, j'ai fait signe que j'avais pas le sien, tu vois. Et voilà. Envoyez la pause, j'arrive. Vas-y, le mec, il fait que tourner au Comico. Par contre, pas devant le Comico, hein. Si vous voulez le soulever, c'est pas devant. Camille, mets un masque. Un masque? Ok. Mais t'as pas un masque noir? Ah non, j'ai qu'un masque comme ça. Ouais. Le mec, il est où? Toujours devant le Comico? Djibril? Je le vois pas moi, je le vois absolument pas. Ouais, il fait le tour du Comico tout à l'heure. Il fait le tour du Comico. Vraiment ouais. Ah, toujours le même chemin et tout. Si moi je l'ai vu. Moi si moi je vais commencer à le suivre. Juste récupérer mon casque. Putain, il veut pas. Putain, mon casque, je sais plus où je l'ai foutu. Attends. Ouais, c'est bon. Je garde mon masque ou que je mets mon casque? Ouais, est-ce que t'as un casque intégral? Bah oui, celui-là, oui. Vas-y, c'est bon, moi aussi. Nickel. Dites-moi où est-ce qu'il est le mec, comme ça on le chope. C'est bon, il est chopé. Sérieux? Il est où? Quelle voiture? Allo. Je vous ai oublié la position. Ouais, bon temps, ouais. Envoyez la position. Ouais, ouais, sa moto, là. Juste parti acheter un truc vite fait à manger. Ah, moi j'ai un problème, j'ai une graine. Ok. Vas-y, besoin de deux parking trailers après une agression, mon scout est mort, une âme charitable pour m'aider, please. What the fuck? C'est qui a mis ça? Vas-y, l'équipe, je reviens vite fait. Ah, bah c'est la. C'est la. C'est la nana. Ben, la position. Qui était à la.
Elle dure comme si on filmait là. Tourne le dos. Vous avez payé une voiture là? Non, il y avait une voiture, mais c'est que ça s'est taillé. Est-ce que vous avez une voiture ou pas? Non. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien vous. Ça va, ça va. Présentez-moi votre pièce d'identité s'il vous plaît. J'ai déjà pris, t'inquiète pas. Mais prends-les encore si tu veux. Oh, j'adore lire les pièces. Je fais une collection moi. Marocchino Karim, voilà. Monsieur Marocchino Karim, vous faites quoi dans la vie? Je suis taxi, vous? Enfin, non, pas vous. Je suis taxi. Vous êtes taxi? Vous êtes taxi en moto? En Sanchez? Non, là, pour le moment, je travaille pas. Ouais, d'accord. Mais du coup, vous faites quoi? Tourner autour du commissariat, etc. Enfin, quel est votre but? Honnêtement, ouais. Honnêtement. Ouais. Couvre, s'il te plaît. Couvre. Mets-toi là et couvre. Regarde. Je guette un peu, on va dire. Vous guettez? Et vous guettez quoi? Je vais pas vous cacher que mes amis. Regarde ce côté. Ne veulent pas rencontrer de policiers. Et mets-toi de sorte à qu'on ne voie pas trop, s'il te plaît. Ok, vos amis, ils font quoi là? Et de la weed. Ah, c'est qui vos amis? C'est qui tes amis? Il y a un. Mais je vais te faire encore plus peur. Dis-moi, c'est qui tes amis, s'il te plaît. Nathan. Dis-moi de suite, c'est qui tes amis? Nathan, il s'appelle. Nathan comment? Son nom de famille, je connais pas, je l'ai déjà rencontré que sur. Comment ça, tu connais pas son nom de famille? Dis-le, je cherche bien dans ta tête, tu vas le connaître, t'inquiète pas. Non, je connais pas parce que je l'ai rencontré. Dis-moi de suite, c'est il qui m'a pas, il m'a pas encore dit que tout. D'accord, t'as le numéro de Nathan ou pas? Non, parce qu'on sait pas. Arrête de mentir, t'as le numéro de Nathan. D'accord, donc là, si je prends. Donc là, tu vas me donner ton téléphone. Ouais. Il y aura pas marqué Nathan. Enfin, tu l'as déjà. Oui, je l'ai déjà, mais quand je vais regarder ton téléphone. Il n'y aura pas marqué Nathan. Donc toi tu travailles pour des mecs, si on même savoir c'est qui. C'est sérieux ou quoi, tu te fous de mais moi. Mais comment tu vas le tenir au courant si t'as pas leur numéro? Non, j'ai pas le numéro de ce Nathan, j'ai le numéro d'un de ses collègues, c'est ça le. D'accord, vas-y. Vous pouvez me rendre mon téléphone pour que je vous dise. Tu le connais pas de tu tête? Tu vas me dire c'est qui et après je te le dis. Non, je connais pas de tête. Ok, mais attends, excuse-moi, ils font de la weed là, maintenant, en ce moment où on parle? Justement, en fait, ils voulaient vendre. Ils voulaient vendre, attends. Alors, pour vendre, ils t'ont demandé de faire le tour du Comico, mais si les flics sont en patrouille, comment tu vas savoir que les flics sont en patrouille si tu restes au Comico? Ça, c'est... Non, justement, moi, je recherche le nombre de policiers au Comico, le nombre de policiers en patrouille, mais j'en ai pas vu. Et dès que des flics partent du Comico, je préviens. T'es payé combien pour ça? Rien, parce qu'ils font pareil pour moi, après. T'as combien pour ton portefeuille? Niveau, là. Comment? T'as combien dans ton portefeuille? Attendez, j'ai 20,50$. 20,50$ dans ton portefeuille? T'as même pas à quoi mettre de l'essence, tu te fous de ma gueule ou quoi? J'ai fait le plein, justement. J'ai tout à la banque, en fait. T'as tout à la banque. D'accord. Et attends, moi j'ai une question. Mon pote, donc là, ils vont aller vendre. On est d'accord qu'ils vont aller vendre, tes potes? Oui, c'est ça. D'accord. Écoute-moi bien, je vais te donner ton téléphone, tu fais un pas de travers, je te mets une balle et tu reverras plus jamais le monde. C'est bien compris ou pas? Ça va, Jibril? Tiens, prends ton téléphone. Alors, tu vas me donner d'abord ce numéro de téléphone à lui. Attendez. Fais gaffe à ce qu'il t'y fait. 213, 73, 166. Rends-moi le téléphone, tu m'as dit 173? Attendez, je peux revoir sur le téléphone. Vas-y, re-regarde-le, tiens, reprends et re-regarde-le et articule s'il te plaît. 113. 73, 266. Mais tu sais même pas parler français. Attends, t'es sérieux? 12, 66, c'est quoi ça? 266. Mais articule, s'il te plaît. 213, ensuite y'a quoi? T'as pas pris le véhicule, Djibril? Non. On fait quoi avec le véhicule, là, de... Garde, je... Téléphone. Allez, c'est pas compliqué à lire, là, dis. 113, 73, 12, 266, pardon. D'accord, rends-moi le téléphone. Tu bouges pas. Tes potes, ils ont quoi comme véhicule là? Ils ont une voiture blanche ou grise? Non. Non? Okay. Rhapsody, une sultane noire. Ils ont quoi? Attends 10 secondes. Une sultane noire. Ok, ça marche. Clone, viens voir, il faut que je te parle 10 secondes. Vas-y. Et bouge pas, toi, si tu bouges pas, je te mets une balle. Viens là. C'est ce qu'on va faire. Il va leur envoyer un message, il va leur dire d'aller vendre. On va se posticher en haut et on lui récupère tout une fois qu'ils ont tout vendu. Un frère, 15$. Ils ont pu. 15$ la tête, on va récupérer. 15... On va récupérer. 15$. Non, mais ils sont deux. Ils sont plusieurs à vendre. On va leur vendre pour à peu près 150. Ils vont nous donner 6000 à peu près. Ah, mais imaginons que les flics arrivent, tu vois. Bah, si les flics ils arrivent, ils se font enculer, c'est tout. Ok. Nous, vas-y. On a tout qui vendent. Vas-y. Une fois qu'ils ont tout vendu, on récupère. Attends, ils sont combien tes potes, Marocchino? De quoi? Ils sont combien tes potes, ceux qui vont vendre là? Ils sont combien? Deux. Ok, ils sont armés? Deux. Non, pas de PPA. Hein. Mais non, mais ça répond pas à ma question. Est-ce qu'ils sont armés? Non, ils ont pas d'armes. Ok. Vas-y, ça marche. D'accord. Je vais te donner ton téléphone. Tu vas envoyer un message. Tu vas envoyer exactement le message. Vous pouvez aller vendre les mecs. Tout est bon. Le point de vente, il est où là? Et tu leur demandes le point de vente.
Ok, alors attends. T'as le point de vente ou pas toi, Karim? Non, moi je l'ai pas. Ah ouais. Je fais que guetter. Mais tu leur demanderas le point de vente pour que tu les couvres. Non, 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 tu leur dis, Non, tu leur dis directement le point de vente est à tel endroit et puis on ira tous ensemble. Même si c'est pas le point de vente, tu vois. Tu leur dis, je sais pas, point de vente plage ou je sais pas. Tu connais les points de vente toi ou pas? Moi non, je connais pas. Tu connais pas les points de vente. Je connais où ça peut être. Enfin, ok, je sais où ça peut être. Vas-y, attends, deux minutes. Tête de mort, viens. Vous auriez de l'eau, s'il vous plaît? Attends, rends-moi le téléphone. Il s'en bat les couilles. Vas-y, on donne quel point de vente pour être tranquille. La plage, c'est bien, non? Je sais pas, il faudrait regarder lequel point de vente sont là, quoi. T'as de l'eau pour moi, s'il te plaît? Vas-y. Juste au kiezo. Moi aussi, je dois aller en acheter. Merci. Vas-y, Ou alors carrément, il reprend toute la weed au pire. Après, on a dit pour chier, il essaie. Bon, en vérité, c'est mieux, hein, on te casse pas la tête. Dis-leur qu'il lui envoie directement la position et puis on y va tous ensemble, on les braque, tu vois. Il leur dit qu'il avait des potes, comme ça, il se méfie pas et puis après, on les braque. Et des gars qui viennent, des anciens potes, je sais pas quoi, tu vois. Ou bien même pas, il demande juste leur position. J'arrive, les mecs. Ouais, vas-y. Oui, vas-y, t'inquiète. Vas-y, tiens, prends ton téléphone et tu vas l'appeler. Appelle-le s'il te plaît. Et tu dis exactement ce que je te dis, d'accord? Tu vas lui dire salut, okay, ça va ou quoi? Vous faites quoi les mecs? Je viens de te donner le téléphone, t'es sérieux? Regarde dans tes mains. Putain, espèce de con. Non mais je t'ai dit, dis-moi ce que je dis d'abord. Mais je t'ai dit, tu leur dis salut, ça va, vous faites quoi les mecs? Vous avez la weed sur vous? Si tu dis oui, tu leur dis ok, c'est bon, on est assez de flics, on se rejoint où? Tu dis que... Appelle-les. Vas-y, appelle-les. En même temps j'appelle. Appelle-les, oui, en même temps que tu appelles. En même temps que tu appelles, je te le dis. Y'a ce ou pas? Attends, je suis en train de composer. Je te fous de ma gueule ou quoi, tu vois? Comment ça, t'es en train de composer là? Bon, tu te dépêches là, quoi? Si tes potes ils viennent, il me dit quoi? Il me dit, il est en train de composer. Il est con, quoi. Vas-y, dépêche-toi là! Appelle-la, dépêche-toi là. C'est quoi le truc là? Viens. Le répondeur direct. Ah, c'est vrai. Sur le répondeur direct, donc en fait, tu nous mens en fait. Ah non, c'est la vérité. En fait, là, t'étais en train de composer un numéro que tu connaissais pas. T'es vraiment en train de te foutre du nu. Ouais, c'est quoi le délire? Il a quoi alors? En gros, il tournait autour du comico pour voir s'il y avait pas de flics, je sais pas quoi, parce que ses potes sont en train de vendre la weed. Donc là, on l'a dit, bah dis à tes potes que vous rejoignez, tous les trois, parce qu'ils sont deux, tu vois. Et nous, ouais. En fait, on les braque, on prend la weed. Sauf que là, il prend son téléphone, il fait style qu'il tapote quelque chose, et au final, il dit, ah non, messagerie, je tombe sur messagerie directement. Donc en gros, le mec était solo, il a inventé une vie, quoi. Sûr. Ouais, on va le faire parler, attends. On peut lui faire tourner la tête. Ouf! Pas bien, oh. Et réveille-toi à l'hôpital. Voilà. Ah ouais. Rip. Enlève ton masque. Ouais. Ouais, oh, le mec nous a baratiné quoi, de A à Z, y'avait rien du tout, tu vois, c'était pété. Ah ouais, et du coup? Bah du coup, il a fait dodo quoi. Ah bah ça lui fera du bien, une petite sieste. C'est ça. Attends, je vais appeler Samy. Sacré Samy là. La personne au poste 2, 1, 3, 4, 6, 1, 0, 5. Ah, elle répond pas. Messagerie quoi. Vas-y, connard de moldu, putain! Ils vont où les mecs là? Les gars, vous allez où là? Je sais pas. Mais venez, on soulève le Aaron là. Vas-y, Camille, tu peux appeler Aaron. Aaron, comment? Aaron Joyce. John Joyce. Ah, le flic. Ouais, okay, le flic. Je lui dis quoi aussi? Juste dire, tu vas peut-être partir sur une intervention ce soir. Et si jamais bah tu sens que t'es en danger, bah tu l'appelleras pour qu'il vienne en fait t'épauler, entre guillemets, tu vois. Au pire, okay. Tu dis qu'il y a des mecs qui te suivent en cross, frère, et c'est bon, et ouais. on le soulève. Tu diras que t'as des mecs qui te suivent en cross, au pire, tu vois, pour le convaincre. Oui, monsieur Joyce, c'est ça? Je vais partir en intervention, mais c'est chelou, il y a des mecs qui n'arrêtent pas de me suivre en motocross. Vous voulez qu'on fasse quoi? La voiture, on la garde là comme ça? Je vous appelle si vous êtes encore au service. Ah, vous n'êtes plus au service. Ah merde. Et y a quand même des collègues à vous au service ou pas? Ok, ça marche. Bah merci en tout cas. Bisous à vous. Il est plus au service. Merde, il est plus en service. Apparemment, il est plus en service. Il est toujours en ville, mais plus en service. Bah c'est encore mieux, frère. Bah ouais, mais on sait pas où est-ce qu'il est. Moi, je pense que s'il est pas en service, vu qu'il connaît pas beaucoup de monde, il est nouveau, il va traîner au parking central. Tu penses? Ouais, je le vois souvent traîner par là-bas, moi. Vas-y, bah go parking central. Je vais téléphone. Go parking central. Aïe! Ah, satané de camion. C'est ça. Oh. Wesh! Oh. Les mecs, ils ont du mal. Il s'est pris une doublette, frère. Il s'est fait déglinguer ce qu'il y a. Wesh! T'es sérieux là? T'as eu ton permis dans un Kinder ou quoi? C'est tendu, c'est ça. Ah, ok, vas-y. Allez, go. Hey! Vas-y, viens, on fait la course! Vas-y, il est au fil de la course du skate. Ah! Ah, je me casse. Ouais, je crois que là, on connaît le vainqueur, hein. Ah, il est nul, hein. Bah alors, Ben encore le câble électrique. Ah ouais, c'est abusé, frère.
Dis-moi comment les policiers sur son moto, voilà. Vas-y, go au parc central, là. Il a quoi comme véhicule, entre guillemets, civil, lui, Aaron? Ah, frère, il doit avoir un vieux véhicule. Ah, j'en ai oublié, par contre, je le connais pas assez. Je sais pas si... Je sais plus. Je vais demander à Dana, que Dana le sait. Mais Ben, mais t'as déglingué Camille. Mais t'es con ou quoi? Oh, elle va te goumer. Oh, elle va te goumer. Oh, elle va te goumer. Mais bouge. Ah ouais, comment tu l'as goumé? Il est où, fils? Il est où, fils? Oh là, le mec, il se transforme en anguille. C'est qui le mec là-bas, là? Ah, je crois qu'il est une rhapsodie, pas sûr. Ah ouais, ouais. Elle est où là? Attends, le 4x4 c'est qui là? Je sais pas. Il y a le 4x4 et un véhicule aussi, tu sais, à gauche là. Dedans. Ah, je crois que c'est Samy ça. Non, Samy, je l'appelais. Bah, je sais pas, il répondait pas. Et les mecs là. Waouh, comment ils fument la moto? C'est lui, Coolie, mec. Bah ouais, j'ai appelé le mécano là. Ah ouais, il arrive, ouais. Putain, t'as fait quoi avec? T'as fait une chicha ou quoi? Bah, le pire c'est qu'il vient juste de me la réparer en fait. Et dès que je suis monté dessus, elle s'est mise à fumer. RIP. Mmh. Attends, c'est Gino ça ou quoi? C'est moi. Bah alors, on dit même plus bonjour aux potes. Bah si, mais je t'ai vu tout à l'heure à la soirée. Ah ouais, t'as foutu la merde encore. Non, j'avais un peu trop forcé, mais je crois qu'on m'a drogué. T'es sérieux, du GHB? Ouais, je sais pas, frère, mais bon, on a dû mettre des dingueries dans mon verre. Oui, bonsoir. Je crois qu'il est là, ouais. Tu crois que c'est avec la chemise rose? La chemise? Non, c'est pas sa carafe, le mec avec la chemise rose. Non, c'est pas sa carafe. Ah non, je crois qu'il a raison. Je crois pas. C'est... Ah ouais, d'accord, c'est. Sa carafe. Ah rose, mec, c'est le mec en rose là? Ouais, je crois que c'est lui. Franchement. Ah, c'est le mec en rose. Vous voulez qu'on le chope ou pas? Bah oui, bien sûr qu'on le chope, mais il y a trop de témoins là. Ouais, non, là. Faut le suivre en fait, faut qu'on le suive. Sultan là, reste parking rouge. Et nous les motos, on va disperser. Vas-y, t'inquiète, on peut être. Putain, ils sont en train de niquer ma voiture là. Je vois pas là tout à l'heure là, 4x4 et tout, putain. Tranquille, c'est un mécano. Attends, il est parti où là? Je vois plus. Je le vois moi. Ok, que je le vois. Il est derrière le camion de dépanneur. Eh, t'as un véhicule toi, Fleury? Bah non, j'ai que les deux camionnettes moi. Bah, t'as pas de moto? Bah si, j'ai ma moto sinon. Bah vas-y, reste en moto. Prends ta moto sinon, ce sera trop suspect deux sur une moto, tu vois. Ça marche. Merci. Il bouge, hein. Je sais pas qui c'est le mec avec lui. Je crois que c'est Karim, je crois. Le mec qui nous avait percuté. Ah, mais non, t'es pas là. Ouais, peut-être. Fleury. Dis à Camille, c'est loin. Ouais, Camille, il est loin de toi. Ouais, ok. Et il y a plus beaucoup d'essence aussi dans le véhicule. Ouais, on ira en mettre. Alors que tu mettes un plein, Jacob. Ouais, t'inquiète. Enfin bon. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Les gars, prenez, laissez mon véhicule parking rouge, prenez un véhicule volé. Moi, le mien, il a déjà servi pour Descartes et Dana, tu vois. Ok, d'accord. Ok, ça marche. Prenez un véhicule rapide. Je vais t'expliquer, il dit que pourquoi il est buté, l'autre. Il est trop chelou, gros. Il dit qu'il compose le numéro, il a mis une heure et demie à composer le numéro, il m'a pris pour un con. C'est bon, inutile, les mecs, comme ça, je te le dis. Inutile. Même ses potes, je pense qu'il le trouvait inutile, les mecs. Allô? Ouais, parce que j'étais à côté. Et tu m'entends ou pas, là? Oui, je t'entends. Ouais. Ah, tu m'as entendu, ok. Ah, oh, frère! Tout à l'heure, quand je suis descendu, le casque il est resté. Il s'est enlevé directement dans ma tête, il a glissé, frère. Oui, c'est pour ça que je lui ai dit. Et pourtant, je l'avais attaché. Mais je l'avais attaché, mon casque, je sais pas pourquoi. Normalement, il reste quand on descend, d'accord? Même si on descend rapidement, ça reste accroché à la tête avec la visière qu'on met et tout. Oh, il s'est enlevé ton casque? Ouais, il s'est enlevé, mais heureusement, oui, il a retiré. Heureusement, je me suis décalé direct. Et de toute façon, il connaît même pas dit qu'il connaît. Fleury, je sais pas, mais il connaît même pas Dick de tout le game. Les gars, le plan est simple, ok? Le plan est simple. Vous prenez un véhicule volé, vous arrivez, on fait comme Descartes. Oh là, le véhicule volé. Vous arrivez devant lui, moi, Ben et Camille, on encercle tout le monde, on braque tout le monde, il y a personne qui fait le fou, tu vois. Et on l'oblige à monter dans le véhicule. Vous prenez son téléphone, sa radio. Mais attends, il faut qu'il monte avec moi tout seul alors. Je vais le prendre tout seul. On les braque tous et on dit au mec chemise rose de monter dans ton véhicule, ok? Et le reste, si quelqu'un veut faire le fou, bah on continue à les braquer, tu vois. Et une fois que c'est sécurisé, bah on bouge. Ça va pour vous? Ouais, t'inquiète. Lui, je suis un camé qui est venu là, Gino. Il était venu en train de nous parler pendant que tu parlais. Non, mais attends, un pote. Attends, il va me parler, Gino. Ouais, je sais, mais juste faut que je prenne une autre voiture du coup. Écoute, toi, celui qui a la voiture, tu restes à côté de lui, tu dis rien, ok? Vas-y, ok. Tu dis rien, et c'est nous qui arrivons en moto qui le braquons, tu vois, et on lui dit de monter dans la voiture. Toi, tu le gardes juste à côté de lui, normal, tu vois, comme si de rien n'était. Moi, je suis parking. Ouais, bah viens au parking normal, et garde. Je veux pas que je vienne parce que là, je suis masqué, et genre, j'arrive, dès que vous le braquez, en fait, j'arrive. J'arrive, et ils m'ont direct dans mon véhicule, et on se pète, c'est mieux. Ok, attends, il y a trop de témoins là. Il y a deux, trois mecs. Il est en train de bouger. Ah, il est dans le 4x4 là? Ah, il teste, parce que le mec a réparé son véhicule, il teste juste les réparations. Ok, et Riles qui a un véhicule volé aussi, on est deux. Riles, recule ton véhicule là, il est visible d'où? Non, vous savez ce qu'on fait. Je vais lui demander de monter avec moi directement. Fleury et Yazid, vous êtes à côté de moi, je lui dis de monter gentiment, et s'il veut pas, vous dégainez, et puis ce sera tranquille quoi. Le casque normal là? Oui, on lui met juste un coup de pression, ok? On lui dit juste...
Garez, tu lui dis de monter, garez pas et ben on arrive. Ouais, les gars, les deux motos là, garez-vous à côté de lui là. On peut avoir Gino sur le coup. Gino il est sur le coup aussi, il peut être sur le coup là. Il est à côté. Ouais, les deux motos là, garez-vous à côté de lui là où il est, et moi j'arriverai. Il est en train de briefer, je pense, Fleury là. Véhicule, c'est juste pour se barrer après. Ouais. Mais il va monter sur ma Sanchez. Ok. C'est mon coup, je vais remonter avec Fleury et on le braque. Je vais remonter avec toi, Jibril, je pense. Vas-y, frère. Ben, c'est bon pour toi, avec Fleury ? C'est bon pour moi. C'est bon. Par contre, il y a le mec qu'on a braqué tout à l'heure. Il est au parking, avec sa Sanchez. Ouais, il est relou, lui, il a pas de vie, hein. C'est pour ça, c'est ce que je t'ai dit. Lui, il est relou du ouf. Hein. Il y a une grosse vie. Il est où là? Il est où? Il bouge pas. Il est ouais, il est casse-cou, il a pas de vie, frère. On le soulève? Non, on va pas le soulever, lui. On va le tuer si on le soulève. Bah, justement, c'est pour ça. Tu m'as pris pour qui? Jelly, il doit y avoir 25. Ah, voiture. Il monte dans la voiture, non? Tiens, je lève la tête. Ouais, il monte dans le 4x4. Ils sont combien? Oui, ils sont montés sur deux. Si on soulève les deux, c'est bien. Attends, le 4x4, il est quelle couleur là? Mat noir. T'es sûr c'est mat noir, pas mat vert mat chelou? Non. Non, c'est pas le chien, c'est le noir. Non, je sais que j'ai des employés qui m'ont demandé s'ils pouvaient prendre mon 4x4, je sais pas si c'est celui-là. Non, c'est pas lui, t'inquiète. Ok. Vas-y, sors. Voiture rapide, faut que tu le suives. Vas-y, t'inquiète, moi je suis sur le coup. Attends. Il est quelle couleur? Si, il est mat vert cacadois comme ça. Il sort derrière. Il est noir, frère. Bon, moi je le vois. Ah non, il y en a deux. Mais non, il est déjà parti, le noir. Tu nous, il est déjà parti. Ok, non, mais c'est non, bon. Il est là, il est juste en face. Non, il est là. En fait, il y en a deux. C'est le conducteur. Mais je pense qu'on l'a repéré. Non, il parle au mécano. C'est pour ça que j'ai bougé comme ça. Ça fait un du moins. Il bouge. En fait, dans le 4x4 vert mat, il y a Anastasia. Ouais, c'est Anastasia normalement et deux de mes employés encore. Ok, je vais le suivre. Vas-y, il part en direction. Ouais, je le vois. Je prends la parallèle. Ok. Il a tourné à droite. Il arrive devant moi, il prend le pont. Il monte ? Ouais, il monte. Ok, on va monter. Hein. Gardez une bonne distance avec lui. Ouais, je reste en haut, moi. Il a tourné à droite ? Ouais. On y va, on le braque ? On va le braquer. Non, attends, moi je suis en bas. Il a continué tout droit. Hein. J'ai pas de visu. Il est au concessionnaire. Concessionnaire ? Ok, là, on peut aller le choper, là. Ah, c'est bon, là, c'est l'occasion de le choper, frère. Il continue tout droit. Il est tourné à droite ? Il a tourné, ouais. Il est tout seul ou pas ? Non, vas-y ! Oh putain. Ça va, il va bien, vas-y. Oh putain. Ça va ? Vas-y. Ça va ? Le véhicule est mort. Ça pique. Vas-y, monte. Il est tout dessus, ce con. Mais je sais pas, on l'a perdu de vue, c'est mort. Il a pris là-bas. Non, juste derrière moi à gauche. Putain. T'aurais dû continuer, toi. Il était mort, le véhicule, frère. Sérieux ? Ah, pète, il est mort. Ouais, frère. Mais en fait, moi, je me suis pris le poteau, en fait. Parce que ça l'a touché, ça m'a fait prendre le poteau, en fait. Comme une tête à queue. Voilà, c'est sûr. Puis il est tourné sur moi. Vas-y, va, central. Comme lui. Attends. Apparemment, il vient de revenir. Oh. Ça tire là. Sur moi, c'est. C'est chez nous. Ouais, tranquille. Attends, apparemment, il y a parking central, il est revenu le véhicule. Hein. Ah ouais? Bah, c'est ce que m'a dit Camille. Vas-y, on va voir. D'accord. C'est vous derrière moi en cross là? Non, je crois pas, non. Non, ça c'est le mien, c'est trompé, c'est le mien. Il y a le vert qui est pas. C'est le vert, ok. Pff, Camille, ça sert à rien. Ah ouais, wallah. Après, ça va faire un braquage. Je te jure, putain. Vas-y, viens, on prend la rouge. Ouais. Écoute, Dick, on y a vu ton point, ils sont potentiellement partis au magasin de vêtements. C'est le seul endroit où je voyais qu'ils pouvaient se diriger. Lequel? Vas-y, mets-moi le point. Il est en train de fuir, là. Je sais pas. Attends, j'ai très soif de ouf, là. Pour vite fait, là. Magasin de vêtements? Pourquoi il aurait fait ça? Je sais pas. Il se dirigeait vers le magasin de vêtements, en vrai. Je sais pas. Faut quadriller la zone, et puis hein, on se balade et on le croisera. Ne dis pas là. Balade-toi dans la zone, Surtout, ce que je me demande, c'est qu'est-ce qu'ils sont partis foutre ici, en fait, tu vois. Attends, est-ce que je vais dire ou pas? Il m'a dit je reste au parking. Oui, je sais pas du tout. Faudrait voir s'il est toujours toujours là en fait. Faudrait l'appeler, voir s'il répond ou pas, tu vois. Mais c'est ça déjà, mais il y a aussi une autre technique, tu vois. C'est-à-dire qu'on pourrait demander à Fleury qu'il l'appelle, tu vois. Ouais. Elle l'appelle et elle lui demande des informations sur un truc tout bête, tu vois. Vas-y. Et il lui dit « Oh non, mais je préférais qu'on se voit du coup, tu vois ce que je veux dire ?» Et après, nous, on a juste arrivé et c'est bon. Mais on leur laisse le temps de discuter un peu quand même. Faut pas qu'on y arrive direct, tu vois. Oui, je sais pas où... Ouais, je lui dis. Elle va l'appeler, tu vois. Putain, les gars, putain, on aurait pu le suivre en vérité, tu vois. Je suis dégoûté. Mais c'est ça, mais ça m'a saoulé, là. C'est à cause de ça que... Je comprends pas pourquoi il m'a tourné dessus, j'ai pas compris. Prends ce véhicule-là, prends ce véhicule-là. Je suis dégoûté. Je pense qu'il est toujours en ville, hein, j'espère. En tout cas, là, Camille, elle va l'appeler.
elle va l'appeler pour prendre rendez-vous avec lui, pour parler pour parler d'un truc, je sais pas, je lui dis qu'elle a trouvé un prétexte, on sait rien, tu vois. Et attends qu'elle me fascine. Je t'y suis. J'attends pour le moment, j'attends. J'ai combien de véhicules volés. Ah ouais, t'inquiète, du moment que t'entends pas les sirènes, ça passe. Attends qu'elle m'appelle. Allô? Allô Camille? Ouais? C'est mort, il est avec un groupe d'amis. Il est avec un groupe d'amis? Il vient de me dire, je lui ai dit écoute, on va à la plage et tout, on fait une petite soirée et tout. Il m'a dit, oh, je vais voir des groupes d'amis et tout et tout. Vas-y, mais c'est pas moi? Non, il n'a pas voulu. Ok, ça marche. Vas-y, ça marche, merci, je te tiens au courant. Apparemment, il est toujours en ville, mais il a dit qu'il était avec un groupe d'amis. Et il a pas dit où, tu vois. Donc, je sais pas du tout où est-ce qu'on pourrait chercher en vérité. C'est compliqué. Camille, elle l'a appelé, elle a dit quoi? Il a dit qu'il pouvait pas se déplacer, qu'il était avec un groupe d'amis. Ah, est-ce qu'il se ferait pas partir au parking, au garage avec mes employés? Ah. Je vais aller voir. Vas-y. Moi, quand j'y suis allé, il y avait personne. Ah ouais? Ils sont même pas à l'intérieur? Non, j'ai vu personne. Enfin, j'ai pas regardé à l'intérieur après, mais. C'est qui son groupe d'amis là? J'ai pas d'infos. Attends, je vais aller voir Mécano vite fait là. J'y suis, il y a personne. Il y a personne? Ouais. Peut-être j'y dedans, je sais pas, mais je pense pas. Faut faire attention. Depuis quand lui il a des amis là? Il arrive. Ah? Si. Attends. Ce que je vais faire, c'est que. Putain. Eh, on arrive, on les braque tous. Je vais voir. Non, attends. Je passe un coup de téléphone à mon employé, je lui demande où mon véhicule. Vas-y. Là, je viens de passer, il y a un véhicule noir dans mon garage. Ah. Il y a un bowler dans mon garage, je sais pas si c'est lui. Ah, là, c'est intéressant. J'ai vu un bowler tout à l'heure, mais au parking, ton bowler, j'y vais au parking. Non, attends, je vais appeler, je vais lui demander. Vas-y, tiens, nous joue. Ah, frère, je viens de choper un véhicule. Oh, laisse tomber. Ramène-moi Dominique Toretto, frère, je le fume. Ok, ils sont au parking, je les vois. J'ai vu sur lui, ils sont au parking. C'est ouais, sérieux parking. Ok. Ouais, ils sont plus. Tu le vois, chemise rose. Ouais, je le vois, il est en face de moi. Vas-y, go. Ils ont pris une voiture grise, la même Mireille grise. Ils font quoi là? Ils font quoi là? Un peu blanche. Ils partent du parking central. Ok, Yazid, va de l'autre côté. Ils se dirigent vers le Comico. Ils partent comme tout à l'heure, ils vont au parking. Je vais où tu me dis? Va parking là, je suis derrière, je vais les attendre. Ils se dirigent vers la plage. Direction de la plage. Ok. Après à droite. Ils sont au Mireille, c'est ça? Ouais. Je vois pas où ils sont. Hein. Ils se dirigent vers la plage ou vers la plage au niveau de la Grande Roue? Mais pourquoi tu freines? Putain, sale chien! Mais oui, c'est moi, mais qu'est-ce que tu fais là? Vous allez encore voir après. Ils sont où? J'arrive à la Grande Roue, moi je vais checker là-bas. Ouais, moi je vais aller voir vers l'hôpital. Vous l'avez perdu, d'accord. Vous l'avez perdu? Sérieux? Ouais, parce qu'en fait, ils m'ont vu au parking, du coup j'ai pas parti direct sur eux. J'ai pas fait un demi-tour direct. Ah, personne à la Grande Roue. Reste un peu à la Grande Roue parce qu'ils roulaient doucement. Hein. Apparemment, il y a une voiture verte sportive qui a regardé Camille Fleury qui est parti. Et c'est barré, après c'est vrai. Non, c'est moi ça. Ok. Putain, on a réussi à la perdre deux fois quoi. Aussi chiant là. C'est pas compliqué pourtant de suivre une voiture. Surtout une Rhapsody quoi. Ah, oh, là, Mireille frère. Peut-être qu'ils sont allés vers le Ride Henry. Hein. C'était quoi comme véhicule? Mireille. Grise. Ouais. Charlie tombe à panne, comme ça ils appellent Rides. Ouais. Bonjour, c'est pour un dépannage très spécial. Je suis à la plage là, je vois rien. Moi je suis au parking central, pareil. Je suis en dessous. Passe devant le Ride Henry là, moi. Je suis passé aussi au Ride Henry tout à l'heure. Je vais passer à la planque habituelle à la plage. Voir c'est ouais, moi je vais aller à l'autre justement. Vous êtes parti peut-être au niveau de la revente? La revente laquelle? La revente à la plage. Bah frère, c'est un flic. Et alors? J'aurais pas eu le temps de ramasser et tout là. Non, là ouais, mais le nombre de flics frère qui pistent en civil les gens. Non, mais peut-être qu'il a donné les informations à ces gars. Et en échange, bah, ils l'ont passé les têtes de weed et il est parti vendre au canne, tu vois. Moi, je vais voir au Tequila. Il y a moins qu'ils soient allés au Tequila là, ils étaient en direction du Tequila là. Ouais. Bah, c'était entre le Tequila là en fait et là. Le vendeur, il est pas à la plage. Hein. Non, il est pas à la plage. Il y a Camille de l'appeler au pire de lui proposer un verre ou quoi. Non, c'est trop fou, ça force trop. Il va se passer quelque chose, tu vois. Genre, elle l'appelle trois fois en une soirée, tu vois, c'est bizarre. Ouais, ou alors tu lui dis, ouais, y'a un mec qui vient de passer en véhicule volé, tu vois. Ouais, mais il est plus en service, il s'en fout. Ouais, mais si tu lui mets en fait l'eau à la bouche, tu vois, si tu lui dis, ouais, il est armé et tout ça, lui, il va vouloir y aller. Grave pas. Ouais, au contraire, il va trouver ça suspect, quoi. Il lui a dit comme quoi il était plus en service, donc à quel moment tu vas l'appeler pour dire qu'il y a un mec armé, tu vois. Si c'est une personne de confiance, qu'ils soit en service ou pas, normalement, genre. Ouais, mais ils se connaissent pas assez, tu vois. Ouais, mais ils se connaissent pas assez. Genre, ils se connaissent même pas du tout en vérité. Genre, ok, j'ai vu le véhicule est en face de moi. Il est où? On voulait la poser. La plage? Non, pas la plage. Au deuxième. Attendez, je vous envoie la pause. T'es vers où? Après, nord de la ville, sud, est, ouest? Non, je suis juste avant la plage, frère. Je suis juste avant le deuxième Comico, tu sais, il y a un autre Comico.
Je sais pas comment vous dire. Bah envoie la pause quand tu peux. J'envoie la pause à Yazid. Moi je l'ai pas. Envoie-la moi aussi, s'il te plaît. Ouais. Je vais essayer de vous l'envoyer. Il est arrêté devant tout. Je vous l'envoie. Il y a le véhicule qui est là, mais eux ils sont pas dedans. Je sais pas où okay. ils sont. Vas-y, get le véhicule, moi j'arrive. Je suis à 400 mètres. Vous allez voir, le véhicule il est garé, mais eux je sais pas où ils sont, je les vois pas. Y'a pas un truc ici ? Après faut vérifier la plaque hein, en vérité, hein. Je sais pas si... Tu veux je la prends en photo la ouais, plaque hein. prends la plaque, ouais, prends la plaque en photo. C'est pas un hôtel ça ? Non. La discrétion, putain. Ouais, mais normalement y'avait pas de voiture ici. C'est bon, je suis discret. Faut prendre la plaque. C'est qui s'est approché de la voiture là ? Moi. Ok, vas-y, prends la plaque. C'est Djibril, t'inquiète pas. Se trouve, ils sont dans l'autour hein. Ouais, je suis dans le parking là. C'est qui en cross ? C'est moi. Y'a un véhicule derrière toi, je sais pas qui c'est. C'est Yazid. C'est pas vous. Ils sont peut-être dans le skatepark au pire. Hein. Y'a un skatepark à côté. Attends, je vais voir. Pourquoi est-ce qu'ils ont laissé le véhicule là ? C'est trop bizarre. Attends, je crois que je le vois. Attends. Est-ce que la voiture elle est cassée ou pas ? Oui, skatepark. Derrière le bâtiment. Ouais, toi aussi tu les as vus là. Ouais, je les ai vus. Ils sont tout en haut en fait. Tout en haut ? Attends, En haut du skatepark. Tu vois 3-4 mecs sur leur téléphone. C'est qui en haut du rouge là ? Et du coup, la voiture rouge, c'est moi. Hello. Tu les as vus ? Ouais. Attends, moi je les vois pas. Ils sont là en fait. Et si, je t'envoie vite fait une pause d'où tu peux les voir. Ouais, on peut envoyer la pause. Hello. Et mec. Ouais, attends, Ben. Hello. Ouais. Vas-y, réveille. Il est bon ou frère ? Ah, si, je vous ai. Merde. Si. Tu m'as appelé là. Du coup, la voiture elle fonctionne toujours ou pas ? Ouais. Attends, je vais crever les pneus. Ah, mais si tu crèves, ils vont entendre. Non, j'ai un silencieux. D'ici, tu les vois. Oh, c'est toi en cross là ? Mais attends, c'est peut-être pas eux en fait. Attends, je vais voir au parking. Peut-être bouger leur véhicule est mort. Vas-y. Ouais. Regarde si le véhicule roule encore d'abord. Moi, je vois personne, moi. Ouais, pareil. Non, c'est peut-être pas eux. C'est peut-être... Non, y'a personne. Ça m'étonnerait qu'ils se posent dans un skatepark en fait, genre. Ouais. T'es qui ta voiture rouge là ? C'est moi. C'est l'Audi rouge, c'est moi. Le numéro de plaque, c'est quoi ? Je l'ai, le numéro de plaque. C'est 3W. Je sais pas. La voiture elle est pétée en fait. Ils ont dû prendre ces 3W. Ouais, ils ont dû partir avec un véhicule volé à mon avis. Hein. Ou alors ils sont là à l'hôtel, je sais pas. Ouais. 03. Ça dépend si c'est un hôtel. Ouais, mais après il aurait bien garé le véhicule, je pense. Ça aurait pas garé comme ça. Ouais. Il fume le véhicule, il est mort. Ouais, il est mort le véhicule. Hein. Voilà, donc c'est pas ici. Mon véhicule aussi, moi il est mort. Il est parking derrière, tu vois. Ouais, c'est chaud. Hein. 03WCM. Attends, je vais l'appeler voir s'il est là. Juste bip-le. Attends, y'a Camille qui m'appelle. Allô ? Ouais, ça va ou quoi ? Je viens de voir une bagnole passer grise. T'as vu une bagnole grise ? Ah ouais ? Parking, elle a fait le tour du parking, une deux places, c'est ça ? Ouais, c'est une deux places, ouais. Elle a fait le tour du parking ? Elle a fait le tour du parking, elle s'est cassée à vitesse grand V, feu éteint. Ah ok, je pense que c'était Ben qui a fait ça. Oui, c'est... Moi j'ai un véhicule rouge, moi. Ouais, je reste encore sur le parking. Ouais, reste pour le moment. Nous, on est en train de chercher. C'est moi. Oui, je t'entends, Ben. Attends. Ah, d'accord. Du Camille, elle est restée sur place, elle reste sur parking, tu vois. Attends, je vais l'appeler. Je vais appeler Aaron. Si il te répond, Julio, je me suis trompé. Ça sonne. Julio, je me suis trompé. Ah merde. Oh. Oui, bonsoir Aaron. Eh, bonsoir. Du coup, bah, est-ce que vous avez des nouvelles par rapport au sujet qu'on a eu au Comico ? Non, malheureusement pas. Je pense pas que j'en aurai avant demain, mais je tiendrai au courant, promis. Ok, ça marche. Malheureusement, je peux pas faire mieux. Je comprends, y'a pas de soucis. Bah écoutez, bonne fin de soirée à vous. Vous aussi, monsieur. Merci, au revoir. Il est toujours en ville. Genre, il faut le soulever, hein. Y'a pas moyen. Ok, ouais. Moi, je vais retourner parking central. Moi, je vais aller voir vers le Comico. Parking central, j'y suis là, y a... Parking central, ouais. Comico, je suis passé devant, y'a derrière. Je me demande s'ils sont pas partis. Bah, où est-ce que tu peux aller te poser quand t'es avec tes potes en vrai ? La plage, frère. Non, la plage, je suis parti, y'a pas. Une maison, peut-être. Ouais, une maison, ouais. Ouais, une maison vers là-bas. C'est quoi la voiture rouge sport là ? Rouge sport ? C'est moi. Okay, okay. On a deux voitures rouges sport. Ah, faut que j'aille au magasin, faut que j'achète des bouteilles et tout. Le yacht ? Ouais, est-ce que les jet skis sont sur la plage ? Je crois pas. Hein. Ouais, si. Astor-ci là ? Ouais. Enfin. Il laisse, tu sais. Ouais, mais il les laisse pour la nuit. Et c'est pour ça qu'ils ont pris un autre véhicule parce que le véhicule noir là, le 4x4 noir, il est encore. Voiture rouge sport, parking central. C'est moi. Ok. Ouais, ça va ou quoi ? Ça va et toi ? Ouais, j'ai appelé le Aaron là, il est toujours en ville, tu vois, je sais pas où exactement. Mais il est toujours en ville. Donc là, on est en train de cadrer un petit peu la zone, mais il faut obligatoirement que quelqu'un reste au parking central. Donc si tu veux bien rester, nous ça nous arrange. Et comme ça, nous on fait t'inquiète, le tour. T'inquiète. Tu vois. On va ticker les villas. On va ticker la plage, tout ça, tout ça, tu vois. Il a dit qu'il était avec un groupe d'amis, c'est tout ce que je peux te dire. Ouais, c'est disant, il est avec un groupe d'amis. En fait, on l'a trouvé, la Sarah Rhapsody là. On l'a trouvé, elle était fracassée, donc il a dû partir avec une voiture volée, tu vois. Donc malheureusement, on peut penser pas plus pour le moment, mais on s'y est en courant de toute façon. Ouais, par contre, on communique comment ? Radio, comme ça et tout ? Ouais, pour le moment, on continue par SMS ou appel, tu vois. Après, tu verras sur la radio si ça devient chaud. Vas-y. Ouais, ok. À tout. J'ai dit à Camille de rester sur le parking central.
Est-ce qu'on mettrait pas un message genre en mode est-ce qu'il y aurait pas une soirée d'organiser ce soir, tu vois, un truc du genre. Si jamais il y en a un qui lance l'option. Ou au pire, Camille Fleury, elle dit qu'elle est en panne, un truc comme ça, et puis est-ce que quelqu'un peut venir la chercher? Non, parce qu'il y a des mecs qui sont en mécano, donc tu vois. Il a dit ouais, il y a moyen de faire quelque chose au tequila, tu vois, boire un verre avec des amis ou quoi. Elle propose un truc, tu vois, au tequila, frère. Et puis nous, on arrive, frère, on braque tout le monde, on prend les sous de tout le monde, et puis après, on prend lui, tu vois, on prend Aaron. Ouais. Putain, c'est relou. Pour que ce soit crédible, faut qu'on braque tout le monde. Bah oui, bien sûr. On aurait pu se lever 10 fois tout à l'heure. Bah, de ouf. Prochaine fois, même s'il y a des témoins, pas témoins, bas les couilles. Ouais, péter au parking. Je vais voir à la roue, moi. T'es passé devant le tequila là ou pas? Moi, je suis passé tout à l'heure, il y a environ 10 minutes. Les nouvelles de Samy ou pas? Pas du tout. J'ai même pas son numéro, ce mec. Je vais aller voir un peu à côté des magasins d'habits et tout. Je pense que c'est compromis pour soi. Hein. Ouais. On fera ça demain, je pense. Le meilleur moyen, en fait, serait de l'attendre limite au parc central, tu vois. Tu tournes pas. Ouais, je pense. Sauf s'il y a quelqu'un qui arrive à rentrer en contact avec, mais il faut qu'il ait un peu d'affinité. Chaque mois, le mec, ça, je lui parle de temps en temps. Je crois qu'on a échangé nos numéros et tout, mais. Pas au point de se capter pour faire une soirée, tu vois. Ouais, je pense qu'ici pour demain, faudra qu'on capte soit on capte. De toute façon, faudra qu'on capte les deux. Faudra qu'on capte Samy pour avoir sa version des faits une deuxième fois. Et Aaron, il aura des informations supplémentaires. Donc on pourra comparer avec ce que nous a dit Samy, tu vois. Et forcément, l'un ou l'autre va nous mentir et on va essayer de savoir qui dit vrai, qui dit faux, quoi.